Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Voilà, pendant les vacances, une présentation d'un petit produit de chez Union Modelbone et DM Toy, c'est à l'échelle N. Il s'agit d'un petit escalier d'accès pour votre gare ou autre, tout simplement. Regardez comme c'est tout mignon. Les dimensions sont de 70 par 30 par 25 mm. C'est DM Toy et Union Modelbone qui distribuent ce genre de produit. C'est du laser cut. Voilà, c'est sous la référence MU/N/L00081. Allez, on procède de suite à l'ouverture du petit contenu de la petite boîte. Et sans surprise, vous allez voir que toujours tout est bien ficelé à l'intérieur, tout est bien présenté chez Union Modelbone et DM Toy. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte. Je vous propose cette petite vidéo histoire de vous présenter un petit matériel dont j'ai acquis pendant les vacances de Noël, histoire de garnir mon futur réseau petit à petit en 2023. On l'apercevra. Donc voici ce qu'il y a à l'intérieur, la notice explicative avec les grappes que sont représentées avec les petites pièces en laser cut à l'intérieur. Voilà, tout simplement, sans surprise, un petit manuel simple, clair, net et précis. Voici donc la petite sacoche de grappes de pièces en laser cut. Allez, on va sortir délicatement les pièces de l'intérieur pour pouvoir commencer à travailler. Allez, petite information sur le tarif de cette petite maquette laser cut, elle est de 11,99€. Bien, allez, c'est à présent ouvert, on parcourt ensemble. Voici donc les petites grappes des pièces laser cut. C'est tout mimi, c'est tout fin. Voilà, il va falloir faire quelque chose de propre. Allez, c'est parti, on s'y lance. Ce joli petit escalier ira sûrement très très bien pour ce que je prévois de faire. Rappelez-vous la petite gare en laser cut de la marque de chez Minitrice que j'avais montée. D'ailleurs, un lien s'affiche au-dessus si vous n'aviez pas vu le montage de cette gare qui était vraiment sympathique. Je pense que ça va faire une belle rampe d'accès, un bel escalier d'accès au niveau supérieur. Ou je sais pas encore si je ferai ma voie de circulation par en dessus ou par en dessous. Mais voilà, donc je pense que ça va faire du plus joli à faire justement pour l'accès de la gare. Allez, voici quelques premières petites étapes terminées à présent. Allez, on continue toujours un petit peu plus, ça commence à prendre forme. Une chose est sûre avec le laser cut, prenez toujours patience, regardez bien toujours les détails sur la notice, car parfois elles sont assez trompeuses. Donc regardez et prenez-vous à deux fois avant de bien coller vos pièces et regardez si sont bien celles-ci, car il est très difficile après de pouvoir décoller une fois que ça a bien pris. Voilà, après avoir collé marche après marche au niveau supérieur de notre escalier, de notre rampe d'accès, allez, on va continuer à poser les autres dalles, les autres escaliers en descente. Allez, c'est parti. Bien, voici le résultat terminé, à peine terminé de sécher, coller. Voilà donc notre bel escalier, notre belle rampe d'accès. Voilà donc la carte dont je vous parlais que j'avais faite qui est de la marque Minitrix. Voilà, je m'imagine bien la positionner dans un niveau supérieur et bien entendu de pouvoir l'agrémenter avec une voie de circulation routière de passage et pourquoi pas faire un tramway en dessous afin de que les passagers, les personnes puissent avoir accès à la gare également. Voilà, je trouve que c'est sympa, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, dites-moi comment vous trouvez ce petit escalier. Je pense que bien entendu la voie de train sera derrière comme je vous l'ai indiqué.
Et devant, voilà, la circulation routière, peut-être un dépose-minute en haut, voilà, et peut-être une zone tramway et circulation routière en bas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit escalier, bien entendu, la gare avec les voies de train, bien entendu, à l'extérieur, d'autre côté. Voilà pour ce superbe petit escalier. N'hésitez pas à commenter, merci. Voilà, il existe multiples matériels laser cut de la marque Modelbone Union et DM Toy. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. À bientôt.